Allez, avec la seconde ligne carcassonnaise dans son ensemble, un jeune et un petit peu moins jeune, Guy Janard et Cédric Guéronnet. Match très très compliqué ce soir pour Carcassonne. Oui, c'était compliqué parce que Aix jouait sa survie. Et bon, Carcassonne, on n'avait plus grand chose à jouer, mis à part l'honneur et bon, faire plaisir au public qui était venu aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Puis il y avait du vent, donc bon. Et on a fait pas mal de fautes, surtout en première mi-temps. C'est pour ça qu'on s'est compliqué, je pense, parce qu'on a fait des bonnes séquences. Mais bon, on a perdu trop facilement le ballon. Donc on a rectifié un peu le tir en seconde mi-temps. Alors des Aixois, tu le disais, qui jouaient leur survie, qui ont pratiqué un jeu simple, mais qui vous ont mis en difficulté toute la rencontre. Ben oui, oui, parce qu'ils s'accrochaient au maximum. Ils essayaient de gagner le match et de réduire au minimum le jeu. Hein, mais bon, on a réussi malgré tout à s'en sortir par un jeu au pied d'Antoine Lescalvel, mais qui tue Aix 4 ans après les avoir fait monter. Cédric, quand tu rentres en seconde mi-temps, donc tu as peut-être un peu sonné le réveil carcassonné, on t'a vu sur une ou deux charges. Compliqué aussi de faire avancer tout le monde ce soir. Ben ouais, surtout que voilà, je rejoins un peu ce que disait Guy tout à l'heure. Nous, on n'avait pas trop, on n'avait pas une envie de faire un match les couteaux entre les dents. Eux, ils jouaient leur survie, donc forcément rentrer dans un match comme ça, c'est un peu plus compliqué que d'habitude, quoi. La semaine prochaine, c'est Lyon qui vient ici, le gros Lyon avec ses millions d'euros, prêt pour les recevoir dignement. Ouais, ben écoutez, ça va être le dernier match de la saison. Voilà, je pense qu'on aura cœur de finir cette saison correctement avec bon ben voilà les gens qui partent, donc de finir sur une bonne note avec ce groupe. Ceux qui arrêtent. Justement, ceux qui arrêtent, Guy, 42 ans, ça y est, c'est fait, c'est sonné. Pas encore 41, mais 42, oui, bon, mais je vais arrêter là cette année, oui, je pense que on va passer à autre chose, hein, donc ça fait 20 belles années, puisque j'ai commencé en 93 en première, hein, donc voilà, on est en 2013, donc c'est bon, là maintenant, je peux partir tranquille. Mais écoute, Guy, bonne retraite alors, et puis Cédric, bon avenir pour toi. Mais merci, à la prochaine. Merci.